Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et pour cette vidéo, je suis en compagnie de Casper. Voilà, il est magnifique comme vous le savez. Non, je suis tout seul, hein. Il y a juste un camion derrière moi. Mais aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, il s'est passé un truc de fou. Je vous explique le contexte. Et il y a 10 ans, j'avais 21 ans, j'étais avec une fille, tu vois. Et cette fille, aujourd'hui, elle m'appelle. Enfin, la semaine dernière, elle m'a appelé. Elle m'a dit, voilà, je reprends contact avec toi parce que j'ai un enfant à toi. Il a 10 ans. Ah bon? J'ai un enfant à moi, il a 10 ans. Je trouve ça suspect juste au moment où j'arrive un peu à réussir sur YouTube et à être indépendant. Donc, je me dis, peut-être la femme, elle croit un peu que j'ai de l'argent, tout ça. Et elle revient pour ça et elle me fait croire qu'elle a un enfant. Moi, je vous dis, les gars, si j'avais eu un enfant, je pense que je le saurais. Mais après, bon, le doute peut s'installer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné rendez-vous à cette fille sur un parking. On va aller la rejoindre. Je vais discuter avec elle et je vais tenter de la piéger pour voir si elle me dit la vérité ou pas. Si elle me dit la vérité, j'assumerai en tant que père, hein, même si j'aurais dû le savoir avant et que j'ai pas vu grandir le petit. Si c'est faux, c'est elle qui va assumer les conséquences de son mensonge. Je vous souhaite un bon visionnage à tous, à tout à l'heure, ciao. Bon les gars, on est bientôt au lieu du rendez-vous, je sais pas si elle est là ou pas, on va le voir de suite. Le parking, il est sur ma gauche, on va voir si elle est là. Ouais, c'est elle, tu la vois là-bas en voiture bleue? C'est elle, je la reconnais. Donc tu sais ce qu'on va faire? Je vais me garer, tu vas sortir de la voiture et tu vas filmer en caméra cachée. Voilà les gars, là je vais y aller les gars. Je vais déposer le caméraman et je vais y aller en voiture et je vais discuter avec elle et j'ai le micro et tout sur moi. Vas-y, ben gros, vas-y, descends et j'y vais. Vas-y. Passe-moi l'autre micro, passe-moi l'autre micro, j'ai une idée. On sait jamais, passe-moi l'autre. Il est allumé? Non, je l'allume. C'est bon, je l'allume. Vas-y, à de suite. Bon. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Ouais, tranquille. Non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La bise. Ça fait longtemps, ça va, on se connaît quand même. Oui, on se connaît, mais bon, on a plus. Alors, dis-moi, explique-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Mais comme je t'ai dit, il y a eu ce qui s'est passé entre nous il y a quelques temps et. Ouais. Et on s'est séparés, j'ai su que j'étais enceinte, et à ce moment-là, de toute façon, j'avais plus de contact de nouvelles de toi, je savais pas comment te contacter ni rien, tu m'avais dit que voilà, c'était fini, on va parler plus de rien, je me suis débrouillée toute seule. Et là, j'ai bien pu, je t'ai recroisé sur Internet, et je me suis dit que c'était la solution pour me parler, pour me changer les choses. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Mais j'arrive pas à te retrouver, c'est comme ça. Mais arrête! T'arrêtes, s'il te plaît, arrête. Ben, ma foi, t'as pas réussi à me retrouver, arrête, j'habite toujours au même endroit, j'ai jamais déménagé, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai rien à chez toi quand même. Moi j'assume, tu vois, c'est pas le problème. Mais ce que je comprends pas, c'est que là, le petit, quel âge est là? 10 ans. Parce que je te demande pas d'être dans ta vie, je te demande pas de... Et qu'est-ce que tu veux quoi de moi en fait? J'ai pas compris. Si tu veux pas que je le sorte, que je m'en occupe, qu'est-ce que tu veux de moi? Ben, c'est ton enfant. Eh ben. Oui, ben, c'est ce que tu dis. J'ai 10 ans, ben non, c'est ton enfant. D'accord. Ça fait 10 ans que je m'en occupe. Il y a un moment où ça devient compliqué, l'école, le sport, j'ai envie qu'il y ait le meilleur que tu veux, tu veux. Une aide financière en gros, tu veux une pension. C'est ça? Mais non, que tu assumes ton rôle de père. Ouais, une pension de l'argent, je suis pas fou. Déjà, moi, je voudrais une preuve que c'est mon fils, c'est pas savoir que tu es. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, tu allais à droite à gauche, donc me dire que c'est mon fils juste à moi, parce que tu vois que je fais des vidéos sur YouTube et tout, c'est un peu déplacé. Moi, ça fait 8 ans que je suis en couple avec ma femme, tu vois, en plus, donc. Non, mais. Tu arrives, tu veux me faire un câlin, enfin bref, c'est pas. On se connaît depuis un moment, mais tu sais. J'ai vécu des choses. Oui, non, mais c'est pas tout. En bon terme non plus, donc je vois pas pourquoi aujourd'hui tu viens. Mais tu me dis ça. Ça, c'est rien, c'est un truc pour le téléphone, c'est un genre de kit main libre pour le téléphone. C'est. Oui, c'est pour le vent, ça. Non, sérieux? Et voilà, donc tu viens, tu me dis ça 10 ans après, comme par hasard, quand je commence à être un peu connu, que je commence à... Non, je sais pas si tu connais pas, c'est juste que... Mais si, arrête. Arrête, tu m'as vu sur les réseaux, tu n'as pas vu que je t'ai connu? Arrête de me prendre pour un con, s'il te plaît. Donc moi, ce que je vais faire en premier lieu, c'est que je vais faire un test de paternité. Mais c'est payant, je sais. Ouais, je sais. Ça coûte cher. Ça coûte, je me suis renseigné, ça coûte 360 euros. Au lieu de le mettre dans ça, pourquoi tu ne connais pas pour la pension? Parce que je suis pas sûr que ce soit mon gosse et j'ai pas envie de te donner. Mais non, dépenser de l'argent quand même. Je suis pas sûr que ce soit mon gosse et j'ai pas envie de te donner de l'argent. Donc, dépenser de l'argent, tu t'en fous et pour un enfant qui est de toi, ouais. Plus, tu veux pas. Non.
Tu sais pourquoi? Parce que je suis persuadé que c'est pas le mien. Et je vais même te dire mieux, si je dépasse 360 euros, je les dépense une fois. Si c'est pas le mien, j'ai plus rien à dépenser. Et en plus, toi qui me les devras, les 360 euros. Tu es trop vicieuse, je te connais trop. Donc, tu sais ce que je vais faire? Je vais aller faire un test de paternité, comme je t'ai dit. Oui, ben oui, ça lui fera plaisir, t'inquiète pas. Quand elle va voir que c'est pas mon fils, ça lui fera encore plus plaisir. Mais je vais aller faire un test à 360 euros, d'accord? Je reviens. Mais non, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Mais parce que ça sert à rien, pourquoi? Je vais donner 360 euros comme ça, moi. Je suis pas la pension. Écoute, en plus, c'est une connerie, c'est en train de me dire parce que dans mes souvenirs, je me suis toujours protégé. Tu vois? Donc, faut arrêter de dire des conneries. Tu vas me dire quoi? Que la capote, elle s'est trouée? Tu vas me sortir une excuse comme ça? Tu sais que. Arrête. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu me prends quand même à ton grand âge. Et ça alors, c'est ta voiture? C'est qui te l'a payé? Tu te l'as payé toute seule? Tu travailles en fait? Tu m'as pas dit, je travaille. Tu travailles? Tu travailles? Oui, je travaille. Travaille dans quoi? Dans les centres aérés. C'est bien, vraiment. Je me permets, je peux regarder. Bah, comme ça, je regarde. Tranquille. Non, mais. Ça va, elle est propre, hein? Mmh. Ouais, mais écoute, si je me suis trompé, je te ferai mes plates excuses, ok? Je vais aller faire le test. Et je reviens vers toi. Si c'est positif que c'est moi le père, ce qui m'étonnerait fortement, Laetitia, on le sait. Donc, si c'est moi le père, je m'en occuperai. Et si c'est pas le mien, ben, je vais même pas te demander de me rembourser les frais, machin, je m'en fous. Si c'est le mien, je m'en occupe, d'accord? Mmh. Ok, ça va. Je vais faire un test et je te rappelle. Vas-y, allez, je vais faire le test, tu peux partir. Je te récupère, je te rappelle. Je te rappelle. D'accord? Je t'appelle dès que j'ai... Parce que les vis comme ça, je les connais, j'ai pas envie de me faire... Ok? Ok, on fait comme ça? Voilà. Si c'est vraiment moi le père, je... Excuse d'avance. Ça sert à rien. Non, je suis même pas sur soi. Mais... Non, le jour où je serai sûr que c'est le. Oh là là. Non, j'ai pas peur de la vérité, je m'en fous, mais. Oui, c'est. Mais oui, mais c'est. Non. Je te rappelle, d'accord? Bah, tu vas me les donner, tu vas m'envoyer des photos. Hmm? Je te rappelle. Bon les gars, là je suis parti. J'ai laissé le micro dans la voiture pour voir un peu si elle dit des trucs, si je peux avoir des informations par avec le micro. Allez au téléphone. Allez, je vais le voir. Écoute, oh là là, prise de tête. Je veux rien savoir, c'est plus facile que ça, comme tu vois. Je veux lui faire comprendre les choses. Je me suis dit, ça va, c'est bon, il a pas d'enfant. Il a 30 ans, ça va, même pour lui, genre, c'est bien. Mais non, là, je vais aller faire un test, donc je sais pas comment ça va se passer, je sais pas qu'est-ce que je vais lui dire, comment je vais me débrouiller de ça. Ouais, non, je sais pas. Non, il y a pas cru plus que ça, je pense pas. Quand c'est différent. Bien, frère. Franchement, je pense pas qu'il va tomber dans le piège. De toute façon, j'ai jamais su que c'était le père. Tu vois, c'est pas qui c'est le père. C'est pas 10 ans après que je veux le savoir. Je suis chien de lui-même. Après, je vais essayer si je pouvais avoir un peu plus et me débrouiller. Et même pour le petit, tu sais pas, c'est pour lui ouvrir des portes, on sait jamais. Franchement, je n'aurais pas dit non, mais. Je pense qu'avec lui, ça passera pas. Non, après moi je l'avais vu sur Internet, moi. Sur YouTube et tout. Voiture, pas voiture, tu es là. Ça part en vacances, ça va à droite, ça va à gauche. C'est obligé qu'avec YouTube et tout maintenant, ça y est, c'est la mode. Je sais pas comment faire moi. Et on a arrêté. Et quand je te rejoins chez toi, je pars te voir. Tiens, allez, ça va, je t'explique. Non, là, il va aller pour MTS, personne ne sait bien ce sera négatif. Hein. Ça, je sais, c'est pas grave. Tu peux, ça paye, mais ça fait pas plus. On va ouvrir un grand
Non, ça va. Litchi? Oh? Ouais, coupe le contact, j'ai un truc à te dire. Je vais te dire un truc, j'ai oublié un truc dans ta voiture tout à l'heure. Ouais. Non, mais tout à l'heure, quand j'ai regardé, tu sais, j'ai oublié un truc. Je suis ouvert la portière. J'ai oublié ça, regarde. Tu vois ça? Écoute-moi bien, espèce de. Tu vois ça? C'est ce que c'est? C'est un micro. Ça veut dire que là, quand tu te téléphones avec ta copine de. Bon, ça va. Tu as vu là-bas, au fond, derrière la camionnette blanche? Tu la vois la camionnette blanche? Hop, il te fait coucou, tu le vois? Non. Non, tu vois pas? Ah ouais. Voilà. Tu verras. Ça, c'est un micro, tu étais enregistré et filmé. Non, mais y'a rien. Y'a rien eu? Non. Tu continues à nier? Écoute-moi, écoute-moi, espèce de. Écoute-moi. Je vais pas aller porter plainte. Tu veux que j'aille porter plainte là? Tu veux que j'aille porter plainte? Tu veux de m'arnaquer? C'est une arnaque ça. Tu veux essayer de m'arnaquer? Non. D'accord, ça va. Allez, vas-y, tu sais quoi? Je vais aller porter plainte et on revient. À vous! Tu veux rien savoir? Allez, attends. C'est bon, y a pas de problème, tu veux la jouer comme ça? Non. Je vais aller au flic, je vais aller au flic. J'ai été filmé dans la voiture, pas filmé. D'accord, personne t'a filmé, putain. Ah, et là, c'est ton truc avec un enregistrement qui me prouve que j'ai pas enregistré quelqu'un à l'avance pour me faire ça. Bien sûr. C'est fort pour faire des vidéos. Eh oui. Pour faire des montages. Je suis sûr de toi, ça te dérange pas que j'aille au flic alors. Mais pour quel motif? Mais pour le motif que tu essaies de me niquer. Tu sais vraiment? Non, tu sais de me voler. Mais non, pas du tout. Regarde, tu sais ce qu'on va faire? Pas du tout. Et je vais même les appeler maintenant, comme ça ils viennent constater sur eux-mêmes. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Non, si je les appelle. Non, je les appelle. Pourquoi? Tiens-moi. Mais dis-moi la vérité alors, allez vas-y. Vas-y, dis-moi la vérité. De quoi? Tu sais pas, c'est bon. Alors, tu avoues ou pas? Avoue les choses. De quoi? Ça va, c'est bon. Tu me fais une coup comme ça 10 ans après alors que je suis avec ma femme depuis 8 ans. Ah, bah, c'est bon. Arrête, tu vas te faire un petit peu de cinéma, ça va, c'est bon. Tu vas c'est ce que tu voulais. Il y a 10 minutes, non? C'est ce que tu voulais il y a 30 minutes? Je voulais pas que tu sois dans ta vie, justement. Ah ouais? Ah, laisse tomber, je m'en fous, de toute façon. Je t'en fous, tu vois pas, tu me frustrer de la vie. Tu es là, tu me clashes parce que tu es frustré, parce que tu as pas un frein, espèce de clochard. T'es une merde. T'es pourri, t'es dégueulasse de faire ça. Écoute, je vais te dire un truc. La vie, moi je l'aime, je voyage quand je veux, je me lève quand je veux, je travaille quand je veux, je fais des vidéos, je fais ma passion. Tu fais quoi, toi? Tu travailles dans les écoles. Ton travail, je te le dis parce que je vais me balancer. Tu sais ce que tu fais? Bien sûr. Bien sûr. Allez, je te. Tu vas pas? Oui, c'est bon. Quelle honte. Va. Vous voyez les gars, ça c'est le genre de femme, si vous faites pas attention, elle vous la met à l'envers. Allez, petite michto. Vas-y toi. Ah bah ça. Ça c'est sûr que pour elle te fera enculer. Salut. Michto de merde. Bah. Quelle heure. Tout ce que tu veux de quoi, clochard? Qu'est-ce qu'elle dit? Allez, viens, c'est Taïa. Monte avec moi, Fanté, on s'arrache. Viens. Bon, les gars, je suis pas allé faire de test de paternité. Hein? Comme vous avez pu l'apercevoir. Cette personne-là, cette fille, je savais. Et si j'étais sec comme ça avec elle, c'est parce que je savais qui elle était. J'avais entendu déjà qu'elle avait essayé de refourguer son fils. Alors, c'est triste. C'est triste pour le petit parce qu'il ne sait même pas qui est son père. Mais je vais pas prendre la responsabilité d'élever un gosse, de le financer. Alors que c'est même pas le mien, je savais pertinemment que c'était pas le mien. Ce qu'elle a fait en fait, c'est qu'elle s'est dit. Elle s'est dit ouais il fait des vidéos, il gagne des sous, il gagne de l'argent, nanana. Je vais pouvoir y tirer un mac d'argent. Elle a tiré rien du tout. Heureusement que j'ai placé un micro dans sa voiture tout à l'heure.
Et heureusement qu'elle a donné un coup de téléphone à sa... De toute façon, je savais, c'est le premier truc que tu fais. Genre, tu essaies de niquer quelqu'un, si ça marche pas, tu vas appeler ton pote ou ta copine pour lui raconter. C'est normal, c'est classique, c'est un classique, les gars. Donc voilà, faites attention à vous, hein, et surtout si un jour on vous dit oui, c'est votre enfant, alors que c'est peut-être pas le vôtre, que vous avez un doute, faites un test. Les gars, c'est pas remboursé, mais au moins, vous payez pas à vie. Et après, faites attention aussi, protégez-vous si vous voulez pas d'enfant. J'ai envie de vous dire, moi, je me suis toujours protégé. Et c'est pour ça que je savais aussi que c'était pas le mien, tu vois. Mais là, c'est... Voilà, c'est un coup d'esbrouf. Heureusement qu'on a filmé. Et je vais pas y faire part de son travail parce que ça serait... Là, j'y ai fait peur quand j'ai dit, je vais t'enlever le travail et tout, je vais porter plainte. Mais je vais pas le faire parce que ça veut dire que ça enlèverait de l'argent pour le petit. Et j'ai pas envie, tu vois. Mais pauvre petit, voilà. Pauvre gamin qui a rien demandé, qui se retrouve avec une mère comme ça. Bref, voilà les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu dans tous les cas. C'était Kamoff. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Et prenez soin de vous et surtout de vos enfants. Ciao.